Salut Cerise, j'espère que vous allez bien. Alors là, j'étais en train de me préparer et je me suis dit qu'il faut que je vous fasse une petite vidéo parce qu'on me pose beaucoup de questions sur ça. Ma routine capillaire actuelle. Donc, je suis à 5 mois et quelques, peut-être 5 mois et demi, je ne sais pas, de mon dernier défrisage. Et je vais vous expliquer comment je m'occupe de mes cheveux. Donc là, vous les voyez, je vais dire super lisses parce que pour des cheveux qui ont 5 mois, entre des frisages, oui, c'est parce que simplement j'ai lissé, j'ai séché avec un appareil de chaleur parce que j'ai testé quelque chose pour vous. La vidéo arrive bientôt, je vais pas tout vous dire là maintenant, sinon... Voilà. Donc, alors, j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais un petit peu les points les plus importants, mais là je vais vous les redire parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles depuis. D'ailleurs, bonjour, bienvenue. Et je sais que c'est chiant de repartir dans les anciennes vidéos qui datent de plus d'un an. Donc, here we go! Alors, lorsque on a des repousses, et ce que je vais dire là est aussi valable pour les personnes qui ont les cheveux naturels, d'accord? Il faut vraiment maximiser, mettre toutes les chances de ton côté. Et pour ça, moi, je mise à fond sur l'hydratation. L'hydratation. Souvent, on me dit... Ah, moi, j'ai beaucoup de repousses, alors j'y touche pas, je fais une queue de cheval, je laisse, ou bien des trucs comme ça. C'est encore pire parce que le jour où tu vas démêler ça, tu vas t'arracher une boule de cheveux phénoménale. Donc, je fais mon shampoing par section. J'utilise un produit super hydratant. Et en ce moment, ce que j'utilise, enfin en ce moment, ça fait déjà quand même 2 mois, ce sont ces produits-là. Donc, c'est un shampoing hydratant. Bon, on ne voit rien, je vais essayer de vous les montrer tout à l'heure. Là, c'est le soin protéiné. Et si je laisse dans la boîte, on verra peut-être mieux. Non, c'est pareil. Là, c'est le soin hydratant. Donc, c'est toute la gamme, en fait, de chez Nuskin. Ah, lui, on le voit. Alors, hydratant. Protéiné. On ne voit rien. Et le shampoing. Shampoing. Moisturizing. Je ne sais pas si on le voit. Enfin, bref, shampoing hydratant. Pourquoi j'utilise ces produits? Alors en fait, cette gamme-là est pour les cheveux abîmés, colorés, les cheveux qui sont vraiment en gros au bout de leur vie. Limite, tu hésites à couper, prends cette gamme-là. Eux, c'est leur job. Donc, notamment lorsque je fais du coaching capillaire et puis que j'ai des personnes qui ont les cheveux très abîmés, en général, je leur recommande de commencer par ces produits-là. Donc, il est mentionné dessus qu'en 7 jours, ça répare tes cheveux. Mais moi, je leur dis toujours, finis la bouteille. Finis ta bouteille, finis ton shampoing. Et ensuite, tu peux reprendre ta gamme de Keracare, par exemple, qui est bien. Tu peux continuer ensuite avec Keracare. Pourquoi commencer par celui-là? Parce que c'est son job, il est fait pour ça. Donc, on commence par lui, il remet ça d'aplomb et après, tu as ta routine. Pourquoi ne pas prendre ça tout le temps? Pourquoi moi, je ne prends pas ça tout le temps? Simplement parce que le shampoing fait 20 euros, le soin protéiné 20 euros et le soin hydratant, je crois, 32, 34, je ne sais plus. Début 30 euros. Je ne peux pas. Par contre, une fois de temps en temps, oui. Donc là, par exemple, quand je sais que c'est chaud, là, comme c'est en ce moment, oui, je vais le faire. Là, malgré j'ai lissé les cheveux et tout, on voit que ça gonfle, que c'est, voilà, c'est pas comme, bref, les repousses sont là, quoi. Et pourtant, là, les repousses sont bien domptées avec les produits que j'ai utilisés. Alors, voilà, donc ces produits-là, c'est vraiment de la bombe. Ce site, c'est uniquement sur un site internet, c'est pas en vente aux Antilles ou en France ou je sais pas quoi, qui livre partout, en France, en Belgique, en Allemagne, il livre partout, viens Poupoune. Poupoune veut faire une apparition. Coucou Poupoune. Et coucou Poupoune. Donc je disais, ce site-là livre partout, sauf les Antilles, Dom-Tom, et certains endroits en Afrique. Je dis bien certains parce que par exemple en Afrique du Sud, ils livrent des choses comme ça. Donc si vous êtes dans un endroit qui ne livre pas, soit vous faites comme moi, vous demandez à un membre de votre famille de réceptionner le colis et de vous l'envoyer. Moi, c'est ce que je fais. Si vous n'en avez pas, vous pouvez passer par moi. D'accord? Comme j'ai fait pour les dentifrices, etc. Parce que c'est le même site. Chut, chut, chut.
comme j'ai fait pour les dentifrices, etc., parce qu'en fait, c'est le même site. Et c'est comme ça que j'ai découvert leurs produits. J'ai testé, j'ai adoré, je suis restée dessus. Il faut, vous me dites, Sandra, je veux un shampoing, je veux la gamme complète, les trois produits. Moi, en même temps que je commande mes produits, je commande les tiens. Comme ça, tu n'auras pas tes frais de port, tu vas payer que tes produits, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc sinon, je vous mets le lien en bas dans la barre d'information. Par contre, ce sera le lien du site en France pour vous inscrire et commander. Si tu n'es pas en France, ce sera le deuxième lien juste en dessous où il faudra que tu sélectionnes ton pays. Et comme identifiant, tu tapes FR34340006. C'est moi. Oui, 6. C'est moi. Voilà. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vais continuer de me préparer. Et je n'ai pas oublié, je sais que je dois vous faire prochainement une revue sur ma routine quotidienne, cette fois-ci soins visage. Que je vous dise un petit peu les produits que j'utilise. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je vous fais de gros bisous. On fait bisous. Ah, on enlève la tétine pour faire un bisou. Quand on fait bisous, on fait comme ça. Vous voyez comment sont mes cheveux quand je n'ai pas fait le soin pour ramollir mes repousses, rien du tout. Donc le bout, c'est normal, c'est bien défrisé, il n'y a pas de souci. Par contre, vous voyez bien à la racine, on ne voit même pas le fond de ma tête avec les repousses. Donc bon, je pense que vous connaissez l'histoire. Et surtout, le plus difficile, le peigne. Le peigne ne passe pas. Le peigne ne passe pas. Donc je vous montre comment je fais quand c'est comme ça. Donc là, vous voyez les repousses commencer, ça bloque. Si je continue, je vais m'arracher les cheveux. C'est la même chose partout. Hein. D'accord, c'est logique, mes cheveux poussent partout. Donc, je vous montre tout de suite ce que je fais. En général, là, je vais me mouiller les cheveux. Donc, je fais mon shampoing. C'est impossible de démêler ça, ça va être une prise de tête. Pas possible, c'est pas la peine. Donc, je fais mon shampoing par section. Donc là, je vais essayer de séparer mes cheveux en deux au moins. Je voulais faire quatre mais c'est trop chaud là, il y a trop de, c'est compliqué, je laisse tomber, je vais faire en deux seulement. C'est parti, on se revoit après le shampoing. Le shampoing est fait, j'ai fait deux shampoings comme d'habitude. Ensuite j'ai fait un soin que j'ai laissé poser 10 minutes. Voilà, là j'ai rincé et je laisse mes cheveux enrouler dans la serviette pendant 10 à 15 minutes. Après j'enlève tout ça et je vais hydrater mes cheveux. Donc je mets le leave-in de Keracare. Je mets à peu près 2 pompes. Bon, il est sur la fin. Voilà, ça donne ça. Donc là, je mets tout derrière. Je bascule mes cheveux à l'arrière. Et je mets la même quantité cette fois-ci devant. J'insiste beaucoup plus sur les repousses que sur les longueurs, comme vous pouvez le constater. Ensuite, pour démêler, donc là c'est ramolli, mais donc c'est plus facile que tout à l'heure, mais c'est pas encore super super facile. Donc je sépare en 4 parties. Ce sera beaucoup plus facile pour moi de démêler lorsque c'est séparé. Du living. Cette fois-ci sur les longueurs. Donc vous voyez, je resépare encore en deux parce que même là il y a trop, je ne peux pas le démêler comme ça. Et là, ça se démêle avec une facilité. Donc le bout toujours facile, il n'y a pas de souci. Là où c'est plus compliqué, c'est la racine. Vous voyez, jusqu'au bout, ça se démêle et nickel. Et surtout grâce à ce produit aussi, ça vous ramollit les repousses, mais c'est hallucinant tellement c'est doux. Une fois que j'ai démêlé, c'est hydraté puisqu'il y a le leave-in, je fais une natte et je ne touche plus à cette partie jusqu'à ce que ce soit sec.
parce que tant que c'est humide, ça se démêle vite, mais ça s'en mêle aussi très vite. Donc, tant que c'est humide, je ne touche plus à mes cheveux. Et comme mes cheveux prennent du temps à sécher, donc en fait, je suis coiffée comme ça jusqu'à demain. Voilà, la vidéo est terminée. Bisous!